Allez, c'est parti. On y retourne. Nous sommes à l'heure. Et on va voir qui a encore du temps pour cette séance en live. Qui va être là ce soir? Parce qu'il n'y a plus de confinement, donc il y a peut-être des gens qui ont repris leur activité. Donc ça va être la surprise. Savoir qui va pouvoir participer au cours ce soir. Allez, il y a déjà une personne. Coucou. Toujours présente, parfait. Je te laisse t'installer. J'espère que tu vas bien, que vous allez tous bien. Les petites bulles apparaissent. C'est super. J'ai préparé un petit cours qui devrait être efficace pour vos corps. J'espère que vous êtes bien dans vos corps. Coucou Éléonore, super, tu prends le temps pour toi. Installe-toi sur ton tapis. On laisse tout le monde arriver. On va continuer un peu à travailler sur nos énergies. On les a abordées. Et du coup, là, j'avais envie de continuer ce chemin avec nos canaux hein, qui font circuler donc nos énergies dans ce corps. Et je vous avais parlé donc du côté, on avait parlé aussi de la lune, des effets de la lune et des énergies qui peuvent être liées à la lune. Et là, en fait, c'est coucou Sabine, bienvenue au cours, ma belle. Du coup, là, j'avais envie de parler donc de nos énergies, de nos nadis. Donc, nos nadis, ce sont nos canaux d'énergie dans lesquels circulent nos énergies dans le corps. On en a une multitude. Nous, dans le yoga, on travaille essentiellement sur deux nadis qui s'appellent Ida et Pingala. Donc, on retrouve évidemment... ce que je vous avais parlé, cette dualité. Donc, cette dualité, elle est dans notre corps, comme dans nos agissements, dans nos réflexions. Voilà, on est dans une perpétuelle dualité. Et du coup, Pingala, donc c'est comme si vous pouviez avoir votre corps comme ça visualisé, avec Ida qui est à gauche, Pingala qui est à droite, d'accord? Et on a Sushumna, c'est l'axe en fait, lui il est dans notre colonne vertébrale. Donc en Ida et Pingala, on va retrouver évidemment la lune, le soleil, on va retrouver la gauche et la droite, on va retrouver le côté féminin et le côté masculin, on va retrouver le côté spirituel et le côté plutôt action, on va être dans le physique. Donc voilà, ces petits canaux d'énergie, on les a en nous. Et quand on parle d'inspiration, d'expiration et de faire circuler ces énergies, eh bien on vient utiliser ces canaux qui sont le long de notre colonne, d'accord? On pourrait même dire qu'ils ont tendance à se croiser. Et à chaque croisement de ces canaux, de ces nadis, on vient y placer nos chakras. Et ça, on avait déjà abordé ces chakras-là. Donc voilà, donc ces canaux, quand on est en posture, qu'est-ce qui se passe? De quelle manière on vient les activer ou tout au moins venir les réaxer, d'accord?
et se rapprocher de Shushumna qui est vraiment dans l'axe de notre colonne. Avec notre respiration, et j'en reviens toujours à la respiration, on va avoir une énergie qui va être montante, donc qui va être plutôt de la terre et qui va monter dans ce corps. Et on a une énergie qui vient du haut et qui descend. Donc, ces canaux-là viennent réguler sans arrêt, forcément, ces énergies-là avec les énergies du bas du corps et les énergies du haut du corps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, comme chaque chose dans le yoga, pour moi, est importante. Mais on se retrouve avec, on peut retrouver aussi des symptômes, être à l'écoute de son corps et avoir vraiment conscience de ces deux côtés. Et on peut se rendre compte qu'en effet, ben, il peut y avoir une douleur qui est toujours du même côté et pas de l'autre. Il y a un côté qui fonctionne très bien et puis il y a toujours un endroit qui fait mal. Parce qu'il est sursollicité. De quelle manière? Ou notre posture, on n'est pas réaxé, donc ça peut partir du dessous des pieds. Ou bien après, ça peut monter aussi le fait d'être désaxé, ça va monter, ça va se placer dans ce corps en étant désaxé. Du coup, on vient en fait provoquer quelques petits symptômes. Donc, soyez vraiment à l'écoute de ça. Dans vos postures, quand on est sur les mains, qu'on vient s'appuyer, veillez vraiment à avoir cet appui de manière égale. Ne sollicitez pas un côté plus que l'autre. D'accord? Ne donnez pas la faveur à l'un ou à l'inverse. N'allez pas solliciter un plus que l'autre. Et là, du coup, qu'est-ce qui vient se passer? On revient toujours dans cette histoire d'axe et d'équilibre. Plus on vient travailler de part égale chaque moitié de ce corps, évidemment, ça vient se retrouver dans notre posture, dans notre façon d'être aussi, et ça vient se mettre aussi dans notre tête. Voilà pour nos petits nadis, ces petits canaux d'énergie qui font circuler nos énergies dans la totalité de ce corps. Donc je vais me reculer et je vais venir m'installer sur mon tapis et tâcher de penser à vos petits nadis tout au long de la séance. Allez, c'est parti. Donc on va venir s'installer de manière confortable. Donc, on vient chercher vraiment à la verticalité, le sommet du crâne vers le ciel, le menton légèrement relevé. On ne ferme pas, d'accord? On garde la tête droite et on va surtout laisser tomber les épaules loin des oreilles. On va ouvrir les mains qui sont déposées sur les cuisses et je cherche vraiment à m'installer dans cette posture assise et confortable. Je vais pouvoir fermer les yeux un instant et venir m'installer dans cette posture. Je vais venir amener mes pouces et mes indices en contact et je laisse les autres doigts alignés entre eux. Juste le temps de me déposer vraiment dans ce sol. Et je vais prendre le temps d'amener un sourire. Si j'ai des pensées qui m'arrivent vraiment les unes après les autres, je les regarde et je ne m'y attache pas à aucune d'entre elles. Je
Je vais juste aller voir le contact entre mes pouces et mes index. Relâchez la langue et les mâchoires. Vous allez inspirer par le nez et remplir le ventre et la cage. Et vous garderez cet air à l'intérieur 2 petites secondes. Et vous expirez. Expirez. Laissez faire votre respiration. Et à nouveau, on va inspirer, on va remplir le ventre et la cage et on visualise notre colonne de la racine du sacrum jusqu'au sommet du crâne en inspirant. Et on expire par le nez. Laissez faire votre respiration. Et à nouveau, on va inspirer, remplir la cage et le ventre. Et faire le chemin depuis la racine de la colonne jusqu'au sommet du crâne en inspirant. Expirez. Soyez dans la conscience de ce corps. Il n'y a plus de poids dans ce corps. Il reste votre cœur, votre respiration. Détachez-vous de ce corps. Et je sens tout ce qui se passe à l'intérieur de ce corps. Je visualise mon côté gauche. Tout mon côté gauche. Depuis le bout de mes orteils. Toute ma jambe gauche, tout le côté gauche de mon buste,
toute cette jambe droite. Le côté droit de mon buste. Mon épaule droite. Mon bras droit. Le côté droit de mon visage. L'oreille droite jusqu'au sommet du crâne. Je sens toujours le contact entre mes pouces et mes index. Tranquillement, j'amène mes mains jointes l'une contre l'autre et je vais les frotter entre elles. Et je crée une chaleur, je garde les yeux fermés. Et je vais amener la paume de mes mains sur le dessus de mes yeux. Mes doigts se déposent sur le sommet de mon crâne. Je peux ouvrir les yeux dans le noir de mes mains. Refermer les yeux. Inspirer tranquillement. Et expirez, prenez le temps de laisser glisser vos deux mains tout doucement sur votre et sentez ce visage dans vos deux mains. Jusqu'au bout de chaque doigt. Relâchez vos deux bras. Sentez encore vos deux mains sur votre visage. Et tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux. Allez. J'aurais pu partir, je ne vous cache pas, dans une plus longue méditation, mais j'ai fait... Oui, c'est vrai, je suis pas toute seule. Allez, on va se placer comme ceci, excusez-moi. Donc on s'installe. Le dos bien droit, sommet du crâne vers le ciel. On va venir ouvrir nos côtés. D'accord? Donc je vais venir placer ma main droite à côté de moi sur le sol, alignée avec mon bassin, dans le même alignement. Comme si j'étais contre un mur. Mon bras gauche, en inspirant, va monter et va venir se plier au-dessus de moi et je vais rester vraiment au-dessus. Donc on y va en inspirant. On inspire, on monte. On laisse la main droite s'éloigner et je garde vraiment les deux fesses dans le sol. Je peux ou regarder mon coude ou rester face. J'ai du poids dans cette main droite et je sens vraiment tout mon côté gauche qui s'ouvre. J'inspire et je vois tout mon côté gauche. Et j'expire, j'ai conscience de ce côté droit. Inspirez, laissez s'ouvrir ce côté gauche. Expirez à droite.
J'expire à droite. Et je vais inspirer, je me repousse et je vais chercher le ciel avec la main gauche. Et je me redresse. Et je fais pareil de l'autre côté. Je laisse aller ma main gauche. Et j'inspire, je monte bras droit. Et je m'installe. Inspirez, laissez s'ouvrir ce côté droit. Expirez. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Encore un. J'inspire à droite et j'expire à gauche. Et je vais inspirer, je vais chercher le ciel avec ma main droite. Et je reviens dans mon axe. Et je vais garder mes bras ouverts, je vais inspirer les deux mains vers le ciel. Et j'expire vers l'avant. Je viens déposer mes mains, mes coudes, et je vais laisser mon visage aller vers le sol. Je peux, si je veux, mettre mes poings fermés et déposer mon front sur les poings fermés. Sinon, je laisse aller mon buste vers ce sol. Et j'inspire tranquillement. Et j'expire. Je laisse partir tout ce qui se passe dans mes deux jambes. Inspirez par le nez. Expirez. Encore un, j'inspire. Et j'expire par le nez. Et j'inspire, je me repousse les mains dans le sol. Et je reviens dans mon axe. Et je prends juste ce petit temps, aller voir mes deux côtés et sentir vraiment cet axe. Comme un fil qui part du sol, qui remonte dans cette colonne et qui arrive au sommet du crâne. Et je laisse partir ça. On va venir se placer sur l'arrière du tapis. Et on défait les deux jambes. On remonte la peau des fesses pour être vraiment ancré. Et on va partir en demi-pince. Donc je me mets légèrement sur le côté droit de mon tapis. Et je vais plier cette jambe gauche. Et je viens placer mon pied entre mon genou et mon pubis. Je ne vais pas plaquer au fond. Le talon, il reste vraiment légèrement avant. C'est le ventre. Expirez, laissez descendre vers le genou. J'inspire à nouveau, je remplis. Il y a eu une petite coupure de connexion, je suis désolée. Donc je ne sais pas où est-ce qu'on en était pour vous. On va revenir sur la demi-pince. On en était ici. On a fait nos trois cycles de respiration. On reste en bas.
Et je mets mes mains dans le sol, j'inspire et je me redresse. Je reste en demi-pince. Je me tourne légèrement vers la gauche. Je dépose ma main gauche légèrement éloignée de ma fesse gauche. Et je vais venir ouvrir tout ce côté droit. Donc je vais inspirer et en inspirant, je me repose du sol avec ma main gauche et mon bras droit va aller loin, vraiment le plus loin possible de ce pied droit. Donc j'inspire et je pousse. Et c'est vraiment le pubis que je veux amener vers le ciel. Le bras droit est à l'horizontale. Et j'expire et je reste. Et on vient ramener la jambe droite pliée avec le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On est dans l'axe de cette jambe gauche. On ouvre les deux bras. Vous inspirez et on monte les deux bras. Et on expire, on va vers cette jambe gauche. Et on s'installe dans la posture. J'inspire, je remplis mon ventre. Je sens l'air frais qui rentre par ce nez. Et j'expire, j'amène mon visage vers ce genou gauche un petit peu et je m'arrête. À nouveau, inspirez, éloignez le sacrum du sommet du crâne. Expirez, laissez descendre vers le genou gauche et arrêtez-vous. Encore un cycle, j'inspire, je sens l'air frais. Et quand j'expire, je laisse partir tout ce qui se passe dans cette jambe gauche. J'inspire, je mets du poids dans mes deux mains, je me redresse. Alors, je vais être dos à vous. On se tourne vers la droite. On pose la main droite dans le sol. On inspire et le bras gauche va loin à l'horizontale. On se repousse du sol. Inspirez. Et j'expire et je reste là-haut. Inspirez, sentez tout le côté gauche. Expirez. J'inspire une dernière fois. Et quand j'expire, je plie le coude droit, je reviens déposer tout le monde dans le sol. Et je reviens et je défais ma jambe droite et je me remets dans l'axe du tapis. Donc ça, c'est des postures en fait où on vient vraiment travailler cette ouverture. Et quand on est ici, vraiment, quand on est ici avec le bras à l'horizontale, on peut sentir ici, là, il se passe quelque chose. On vient activer tout notre système endocrinien, là. Tac, les reins, les glandes surrénales. Voilà, super posture. On continue Paschimottasana, on va faire la pince. Donc la pince, ne trichez pas avec votre respiration. Soyez vraiment dans l'inspiration. Prenez le temps d'inspirer, de sentir l'air frais qui rentre, qui traverse, toc, qui fait le petit chemin de vos nadis et qui va alimenter tout ça. Et vraiment, remplissez bien ce ventre. Et après, vraiment, laissez-vous déposer vers ces jambes. N'y allez pas vraiment comme ça, d'accord? C'est vraiment, j'allonge mon dos d'abord, j'éloigne, j'éloigne, comme si je voulais aller toucher mes pieds avec mon visage. Voilà. Et là, je peux descendre. On y va ensemble. Les bras de chaque côté. On inspire. On monte les deux bras. Tranquille dans les épaules. Et j'expire, je déroule et je dépose mon ventre sur ces deux cuisses. Et je relâche mes deux bras de chaque côté.
et j'inspire et vraiment je remplis ce ventre. Et j'expire et je laisse faire. À nouveau, j'inspire. Et j'expire et je laisse faire. Inspirez à nouveau. Sentez vraiment la peau du dos là. Quand vous inspirez, vous remplissez le ventre et il y a la peau du dos là qui se défait. Expirez. Laissez partir ce qui se passe dans vos deux jambes. Et j'inspire, je mets du poids dans mes deux mains et je me redresse. Paschimottasana. Posture de la pince, très bon pour le système digestif puisqu'on vient le mettre en fermeture. Très bon pour activer tout notre système sciatique, nos psoas, tout ce qui est derrière. On vient nettoyer et on vient activer en même temps. Petite parenthèse. Ok, on va se déposer dans le sol, on reste sur le dos et on vient relâcher le poids de ce corps dans le sol. Direct, on va ramener les deux talons près des fesses et je vais venir mettre ma cheville droite comme à la plage, pliée, ma jambe droite pliée. Cheville droite posée sur le genou gauche. Je vais décoller mon pied gauche du sol. Je ramène en fait ma cuisse gauche vers moi. Et je vais prendre ma main droite. Elle passe entre mes deux cuisses. Et ma main gauche, elle est à l'extérieur de ma jambe gauche. Et je vais venir croiser mes doigts sur mon tibia gauche. Et là, pour certains, déjà, ils sentent ce qui doit se passer. Qu'est-ce qui peut se passer dans cette posture? Juste comme ça, ça active au niveau des hanches, ça active au niveau des fessiers, d'accord? Et on est sur nos psoas. On va venir inspirer, on laisse, on a de la place, d'accord? Et on a les bras qui sont tendus. J'inspire, je sens l'air frais par le nez et je remplis mon ventre. Quand j'ai rempli ce ventre, et ben, je vais expirer et je vais plier mes deux coudes et je ramène mon genou vers moi, mon genou gauche. J'inspire, j'ai les deux bras tendus, je laisse la place à mon ventre. Et quand j'expire, je plie les deux coudes et je ramène ce genou gauche vers moi. Et il se passe quelque chose dans cette hanche droite. J'inspire, les bras tendus. Et j'expire et je ramène le genou gauche. Et je vais déposer mon pied gauche dans le sol. Je dépose mon pied droit. Et je vais faire pareil. Je mets ma jambe gauche pliée avec la cheville gauche sur le genou droit. Je ramène mon genou droit vers moi. Ma main gauche, elle passe entre mes deux jambes. Et je vais croiser les doigts sur le tibia droit. Et à nouveau, on laisse déjà la posture s'installer dans le corps. Ou le corps dans la posture. Et on inspire, on a les deux bras tendus. Et quand j'expire, je plie mes deux coudes et je ramène ce genou droit. Et je sens bien qu'en fait, mon coude gauche, là, il vient faire une opposition. Et c'est cette opposition qui va amener un petit quelque chose dans cette hanche gauche. J'inspire les bras tendus. Laisse mon ventre se remplir.
Et quand j'expire, je plie les deux coudes et je ramène le genou droit vers moi. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Et tranquillement, je vais venir reposer mon pied droit, reposer mon pied gauche et je garde mes deux jambes pliées. Et on va continuer un peu ce travail sur cet arrière. Ramener le genou droit vers nous et je viens prendre avec pouce et index, je viens prendre le gros orteil du pied droit. Quand je vais inspirer, mes deux jambes vont s'éloigner. Donc, mon talon droit va aller vers le ciel et ma jambe gauche va aller vers le sol en inspirant. Et quand j'expire, j'ai mes deux jambes qui sont fléchies. D'accord? On y va. On inspire et on tend. Et j'expire et je plie les deux. J'inspire et je laisse monter le talon droit. Et j'expire, je fléchis. Encore une fois, inspirez, talon droit vers le ciel, jambe gauche vers le sol. Et j'expire et je plie. Et je viens reposer ce pied droit dans le sol. Pareil à gauche, j'attrape le gros orteil du pied gauche. Et j'inspire et je tends et j'éloigne. Et j'expire, je plie mes deux genoux. Et j'inspire et je tends. Et j'expire et je plie. Inspirez, tendez une dernière fois. Et j'expire et je plie. Et je dépose mes deux pieds dans le sol. On ramène les deux genoux pliés, les cuisses sur le ventre. Je viens attraper, j'ai mes pieds qui montent vers le ciel, j'attrape mes gros orteils avec pouce et index. Et on va faire la même chose en tendant les deux jambes. J'inspire et je tends les deux jambes vers le ciel. Je les laisse s'ouvrir et j'expire et je les ramène vers moi. J'inspire, elles s'éloignent. Et j'expire, je replie. Dernière fois, inspirez, tendez. Expirez, pliez. Relâchez vos gros orteils. Vous gardez main gauche sur genou gauche, main droite, genou droit. On inspire, alors toujours pareil, on inspire, on a les bras qui sont tendus. J'inspire, je laisse mon ventre se remplir. J'expire, je vais plier mes deux coudes, je presse mes genoux sur moi. Et quand j'ai plus d'air, je remonte le visage aux genoux. J'inspire, mes bras sont tendus. Je remplis ce ventre et je sens l'air frais par le nez. J'expire, je plie les deux coudes, je serre fort mes genoux sur moi. J'ai plus d'air, je remonte. Une dernière fois, inspirez, bras tendus. Expirez, serrez les genoux. Et relevez la tête. Ramenez tout le monde dans le sol. Déposez vos pieds dans le sol.
Laissez faire ce qu'on vient de traverser. Et on va juste se servir de nos genoux. On va remettre les mains sur les genoux. Et on va faire la bascule. Je relève la tête. Et j'y vais. Je pousse mes genoux dans mes deux mains. Et je viens masser toute ma colonne sur le balancement. Jusqu'en haut. Jusqu'en haut des épaules. Et je reviens position assise pour venir me mettre de suite en place. Je reviens sur quatre appuis. Le petit mémo, le bassin au-dessus des deux genoux. Les genoux ouverts, largeur bassin. Et les épaules au-dessus de mes deux poignets. Je vais inspirer, je vais sortir main gauche devant et le talon droit loin derrière. Et je passe en deux appuis. Et je reste. Je vais faire cinq respirations où je cherche vraiment à éloigner le talon droit de la main gauche. Repoussez-vous avec cette main droite, ayez confiance. Et je reviens, je pose main gauche et j'inverse. J'inspire et je sors main droite et talon gauche. J'inspire, je sens l'air frais par le nez. Allez voir vraiment le milieu de votre dos et le bas du dos. Et tranquillement, je viens déposer. Et je vais venir laisser se déposer mes fesses sur mes talons. Et je viens déposer mon front sur le sol. Je viens relâcher. Vous pouvez laisser une ouverture entre vos deux cuisses. Laissez de la place à votre ventre. Et sentez vraiment l'appui sur le front, dans le sol. Allez voir chacune de vos mains si elles sont vraiment relâchées, si les deux bras sont tranquilles, les épaules. Et je prends le temps d'inspirer par le nez, je remplis mon ventre, Puraka. Je garde un petit peu cet air à l'intérieur. Kumbhaka. Et j'expire, Rekaka. Je prends le temps d'inspirer. Et je prends le temps d'expirer. Inspirez à nouveau. Gardez cet air à l'intérieur. Et expirez. On va revenir tranquillement aux quatre appuis. Et on va se préparer à quitter ce sol avec Adho Mukha Sana. Hop, donc je viens vraiment me crocheter les orteils dans le tapis.
Et je vais inspirer et je vais pousser mes fesses vers le ciel. J'inspire et je monte. Et petit pas sur place, un talon après l'autre que je viens déposer dans ce sol. C'est vraiment, je regarde mon nombril. Je laisse vraiment mes fesses aller vers le ciel. Comme si je voulais aller toucher le sol avec ma tête. Et je vais regarder entre mes deux mains. Je vais mettre un plié dans mes deux genoux. Ou je saute, ou je marche vers mes deux mains. Je reste le ventre sur mes deux cuisses. Je relâche le poids de cette tête, le poids de ses bras. Et tranquillement, je vais me repousser du sol avec mes deux pieds. Et je vais inspirer et je me déroule. Et les deux bras par l'avant. J'inspire, je me déroule, je me repousse. Et je monte les deux bras par l'avant, vers le ciel. Et j'expire, je ramène mes mains jointes contre mon cœur, Anjali Mudra. Laissez un plié dans vos deux genoux. Sentez vraiment le dessous de vos deux pieds dans votre tapis, dans ce sol. Et sentez la chaleur entre vos deux mains. Et vous pouvez relâcher. Bon, je suis désolée pour la petite coupure qu'il y a eu. C'est le réseau, c'est comme ça, c'est la vie. On y va pour notre flow. On démarre, on vient se placer sur l'avant du tapis. Et c'est parti, on y va ensemble. J'ai quoi? Si, ça sera un petit peu la découverte. On y va à la découverte. Inspirez, montez vos deux bras tranquille dans les épaules. On regarde le ciel. Genoux, je pose mes mains de chaque côté et je sors mon pied droit loin derrière. J'inspire, je regarde devant. Et j'expire, j'amène le pied gauche derrière. Je plie mes deux genoux et je plie mes coudes et j'amène menton buste sur le sol. J'inspire et je me laisse glisser vers l'avant du tapis, je me repousse du sol. J'expire et je repousse mes fesses vers le ciel. Je me mets en appui sur mon pied gauche dans l'axe du tapis. J'inspire, jambe droite tendue dans le ciel. Expirez, pliez le genou droit et amenez-le entre vos deux mains. Posture du pigeon. Je m'installe. Et j'ai mis un petit plus. On enlève les deux mains. Qu'est-ce qui se passe déjà là? Tac, on vient activer tout ça. On va amener les mains jointes contre le cœur. On inspire. Et quand j'expire, je vais à droite. Je pose mon coude gauche sur mon genou droit. Waouh! Si ça veut tenir. J'inspire, je reviens dans l'axe et je me dépose dans le sol. Laissez faire ce qui se passe dans cette jambe droite. Revenez avec les deux mains de chaque côté du visage. Je me repousse du sol. J'inspire. Je remplis la cage. Je crochète le pied gauche dans le sol et j'expire, je repousse cette jambe droite dans le ciel.
Reposez pied droit. Regardez entre vos deux mains où vous marchez, où vous sautez entre vos deux mains. Relâchez. Les deux bras par l'avant et je laisse ouvrir tout le haut. Et j'expire, je ramène mes mains jointes contre le cœur. Relâchez les épaules, relâchez les deux bras. Et on y retourne, on inspire, on monte. J'expire, je plie les deux genoux et je vais sortir le pied gauche, loin derrière. J'inspire, je regarde devant. J'expire, j'amène pied droit derrière, je plie les genoux et j'accompagne mon tombus sur l'expiration. Dans le sol et je vais sortir Bhujangasana, inspirer. Expirez, vous poussez les fesses au ciel. On se place dans l'axe avec le pied droit, on inspire, pied gauche dans le ciel. Expirez, pliez le genou gauche et amenez-le entre vos deux mains. On s'installe dans le pigeon. Je vais enlever mes deux mains du sol. Hop là, je m'installe, j'enlève les deux mains. J'inspire. Et quand j'expire, je vais à gauche. J'inspire, je reviens dans l'axe. Et j'expire, je vais vers le sol. Je relâche mon buste. Je laisse faire tout ce qui se passe dans cette jambe gauche pliée. Je ramène les mains près du visage. Je me repousse du sol. J'inspire, je remplis la cage. Crochetez le pied droit dans le sol. Expirez, poussez jambe gauche dans le ciel. Reposez le pied gauche. Regardez entre vos deux mains. Inspirez. Expire, saute. Inspirez, repoussez-vous les deux bras par l'avant. Et j'expire et je ramène les mains jointes contre le cœur. Gardez le plié dans les deux genoux. Gardez les deux mains jointes contre votre cœur. Laissez tout ça circuler dans ce corps, dans le bas du corps. Ça remonte dans le milieu du corps, au niveau du ventre, au niveau de votre plexus, allez voir votre cœur. Et ça monte jusqu'au sommet du crâne. Et vous pouvez lâcher. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec ce pigeon. C'était la petite surprise, le pigeon plus la torsion. C'est toujours bien de sortir de sa zone de confort. Ok, on va se placer sur le milieu du tapis. Et on va aller un peu travailler notre équilibre et notre ouverture. Notre côté gauche, Ida et Pingala, on les prend tous les deux, c'est nos copains. Et on les ramène en notre centre. Donc pour ça, on va et on replie et on ramène. Et on va aller faire pareil de l'autre côté. Je viens me placer sur ce pied droit. Jambe gauche devant. Je vais aller chercher mon gros orteil. Je sors mon bras droit. Et je tends. Et j'ouvre. Je replie et je reviens. Ah, mon petit côté droit, il n'était pas terrible là. Bref, c'est les aléas. C'est tout ce qui s'est passé les derniers jours.
Ça va avec. On va aller un peu plus dans cet équilibre. On va venir, alors je vais me mettre comme ceci. On va toujours placer ce regard. On va prendre le genou droit, on le plie et on va juste déjà activer cette cuisse droite. Et on prend le pied droit avec nos deux mains. Et je m'installe. Et plus je vais amener mon talon droit vers ma fesse droite, je laisse partir mon genou droit vers le sol. Et qu'est-ce qui se passe dans cette cuisse droite? Ok, je vais garder la main droite avec le pied droit. Et je sors mon bras gauche devant et je viens mettre Shin Mudra, pouce index en contact. Je reste ancrée, mon regard fixé. Et je vais juste laisser mon buste aller vers l'avant. Et je laisse monter ce pied droit vers l'avant. Et je reste. Ne bloquez pas la respiration. Et je replie le genou de terre. Et je reviens poser. Et on peut sentir à nouveau cet axe-là qui nous traverse les opposés. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je viens m'installer sur ce pied droit. Je m'ancre. Et je vais chercher mon pied gauche avec mes deux mains. Laissez vraiment le genou gauche aller vers le sol. Et serrez ce talon-là contre votre fesse gauche. Gardez le pied gauche dans la main gauche, main droite devant avec Shin Mudra. Et je vais laisser mon buste aller vers l'avant et je laisse monter ce pied gauche vers le ciel. Et je reste. Et je replie le genou de terre. Je vais venir déposer le pied gauche. Je reste un petit peu les deux genoux fléchis. Et je sens à nouveau tout ce qui se passe à l'intérieur de ce corps. Comme si j'avais deux grosses jambes. Au ventre, au bras. Tout est ouvert. Ça circule à l'intérieur. Ok. On laisse ça de côté. On va vraiment aller faire notre grande ouverture. Vraiment, celle-ci, il ne faut pas hésiter à la travailler. Elle est vraiment bénéfique et elle est très, très simple. Donc, je vais venir m'ancrer dans mes deux pieds dans ce sol. Et je vais vraiment chercher à ouvrir tout cet avant-là. Vraiment, mais ouvrez-le. Laissez vraiment cet espace s'installer dans votre corps. Donc, on va inspirer. On a les deux genoux fléchis. J'inspire, je monte mes deux bras. Et je vais engager tout l'arrière. Donc là, c'est béton, d'accord? C'est pour accueillir tout ce qui se passe. Donc, je sécurise. Voilà, c'est la sécurité. J'inspire, je monte les deux bras. Et je laisse ouvrir. Et c'est vers le haut. Et pire, je plie les deux genoux. Je vais descendre le fessier vers le sol. Et je vais venir relâcher. Relâcher avec les deux bras qui sont devant. Ils sont tendus. Et on a les aisselles qui sont déposées sur les deux genoux. Et laisser le poids de cette tête aller vers le sol. On vient faire une opposition avec la posture qu'on vient de traverser. Laissez faire votre respiration. On va garder les mains dans le sol avec les bras qui sont tendus. Et on va aller faire la grue ou... D'accord? Donc la grue, ça va être ce chemin-là, bras tendus. Les mains au sol,
Je me repousse du sol avec mes deux pieds, je décolle. Mes talons, je me mets sur les demi-pointes et je viens mettre le poids sur mes deux mains. Je pousse, d'accord? Je garde le contact avec mes genoux et mes avant-bras et je viens m'installer. Et je reviens. Si on veut faire, si celle-ci elle est trop difficile pour vous, l'autre solution c'est la boule du coude dans le pli du genou. On laisse les cuisses légèrement ouvertes et on vient positionner les mains à plat devant nous. On laisse le poids de cette tête aller vers le sol, vraiment. Et je vais venir donner le poids de mes deux jambes sur mes deux coudes. Je ne bloque pas ma respiration, je regarde loin là-bas derrière, vers l'arrière du tapis, et je reste. Et je reviens, je relâche, je peux déposer ses fesses dans le sol, et je garde mes jambes légèrement fléchies. Donc, quand on arrive à faire les deux ou commencer à être intéressé pour pouvoir travailler les deux, Kakasana et la grue, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous vous rendez compte qu'on a l'effort qui n'est pas forcément au même endroit. Le poids du corps, il est dans une autre, il est dans un autre axe, en fait. Donc, c'est très bien de commencer par Kakasana, le corbeau, avec le pli et genoux, pli coude et genoux. Puis après, c'est bien d'aller travailler celle-ci, bien évidemment. C'est bien, toujours pareil, de rester dans des postures où on est bien confortable, mais c'est bien aussi d'aller voir des postures où l'on ne connaît pas. Voilà, on va se découvrir. En fait, découvrir une posture, c'est se découvrir soi. Voilà. On se dit après, mais ah ouais, j'étais capable de. Voilà. Ça, c'est le yoga. Bon, on reste là-dessus. Donc là, on va aller. Navasana, posture du bateau, pour notre petit Manipura, d'accord, celui-ci là, petit chakra là, qui nous donne du fil à retordre tout le temps. Donc on va l'activer un petit peu, à lui ça va lui faire du bien. De quelle manière? Ce qui est important c'est ses épaules, on ne va pas laisser le dos aller s'arracher vers le sol, au contraire. Donc mes épaules, et je sors mon sternum, je sors mon plexus. Ok, je vais me mettre en appui sur mon fessier et j'ai mes deux mollets qui sont parallèles au sol. Je mets mes deux bras dans le même alignement que mes deux mollets à l'horizontale. Je vais inspirer et je tends les deux jambes en inspirant. J'expire, je ramène les genoux et je plie. Et j'inspire, je tends. Et j'expire, je plie. J'inspire, je tends. Et là, je vais aller me déposer sur l'expiration. Jusqu'au bout. Et je retiens. Et je relâche. Et je viens vraiment relâcher complètement le corps dans le sol. Je ne retiens plus rien. Laissez tout ça vous traverser. Ne bloquez pas. Si on retient, si on bloque, on empêche la circulation de ces énergies. C'est comme nos états émotionnels, c'est pareil. Ok, on va partir en chandelle. On ramène les deux talons près des fesses. Hop, je ramène mes talons près de mes fesses en pliant mes deux genoux. Les mains sont à plat dans le sol. Et on va ramener d'abord les cuisses sur le ventre. On inspire et on va monter dans ce sol. On monte les fesses vers le ciel d'abord. J'ai mes genoux de chaque côté de mon visage et je cherche vraiment à amener le poids sur mes épaules. Tout le poids de ce buste
de ce fessier, du bassin, il est sur mes épaules, d'accord? Je place les mains à plat dans mon dos, milieu du dos, comme ça, ça me hisse plus haut. Et là, je vais pouvoir dérouler mes deux jambes vers ce ciel. Et je m'installe en chandelle. Laissez votre respiration s'installer. Laissez votre mental part. Mais on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de ce qu'il nous dit. C'est un bon moyen de le faire taire à ce mental, cette chandelle. Chaque posture a un intérêt physiologique, mais un intérêt psychologique aussi. Tranquillement, on va inspirer comme on peut, hein, d'accord, puisqu'on est en fermeture, on est en chandelle. J'inspire juste un petit peu. Et quand j'expire, je penche vers ce sol. Il n'amène pas la jambe droite. La jambe droite, elle reste là-haut. Et capable. Et j'inspire, je remonte ce pied droit. Pied gauche, pardon. Et j'expire, je laisse descendre pied droit vers le sol. J'inspire, je remonte. Et je reste. Et tranquillement, je ramène mes deux genoux pliés vers mon front. Et je vais pouvoir accompagner l'ensemble du bassin. Je prends le temps d'accompagner vers le sol. Je relève ma tête du sol. Et quand j'ai vraiment le dos à plat dans le sol, je peux venir reposer ma tête dans le sol. Relâchez les deux bras. Et laissez tout ça vous traverser. Vous inspirez, on regarde le ciel. Et quand j'expire, je vais regarder à droite, je laisse rouler mon crâne tout doucement, mais je vais vraiment à droite. J'inspire, je reviens, regarde vers le ciel. Et j'expire, je roule mon crâne complètement à gauche. J'inspire, je reviens dans l'axe vers le ciel. Et j'expire, et si je veux me recouvrir, je peux me couvrir pour partir en Shavasana, en relaxation. Je cherche vraiment à éloigner mes épaules de mes oreilles. Je laisse un espace entre mes deux bras et mon buste. Je laisse partir le poids de mes deux pieds vers l'extérieur du tapis. Et je sais que je pars dans l'immobilité. Je laisse faire ma respiration. J'ai toujours conscience de cet air frais qui rentre par mon nez.
Je laisse ce corps s'installer dans cette immobilité. Après tout ce qu'on vient de lui faire, on le remercie. Avec bienveillance et gratitude pour ce corps. Dans lequel nous vivons toute notre vie. Relâchez votre langue et vos mâchoires. Laissez votre visage tranquille. Sentez vos deux mains ouvertes vers le ciel. Mains ouvertes vers le ciel, comme si elles avaient à l'intérieur d'elles une boule de chaleur, une boule d'énergie. Et vous accueillez cette chaleur et cette énergie dans chacune de vos mains. Cette énergie, elle part de vos deux mains, dans chacun de vos deux bras. Et elle va jusque dans votre cœur, cette énergie. Et vous l'accueillez. Vous sentez chaque point de contact de ce corps dans le sol. Vous ne sentez plus le poids de votre tête. Vous ne sentez plus l'air frais par le nez. Vous sentez juste le mouvement de ce vent. Tranquillement, vous allez remettre en mouvement chacun des orteils de vos deux pieds. Puis vos deux pieds et vos chevilles. Puis vos deux jambes. Fermez. Vous ouvrez vos poignets, vos bras. Si vous voulez bâiller, vous étirez, vous avez le droit. Vous vous placez sur votre côté droit. Tranquillement,
Vous faites un oreiller avec votre bras droit. Juste prenez le temps d'écouter. Om Trayambakam Ujjamahe Sukanti Pushte Bandhanam Udva Bukami Vabandhanam Mrecho Usiyamam Reta. Om Trayambakam Ujjamahe Sukanti Pushte Vandanam Udva Mukami Vabandanam Precho Usiyamam Retat. On va juste faire ensemble un homme. Donc vous allez inspirer, remplir le ventre et la cage avec votre envie. On inspire. Laissez circuler ce homme dans votre corps. Amenez vos mains jointes contre votre cœur. Inspirez tranquillement. Et on expire, on s'incline et je vous dis namasté, merci. Merci, merci, merci à vous d'avoir suivi cette séance. Je me rapproche. Et comme d'habitude, je vous dis namasté, prenez soin de vous. Gardez beaucoup d'amour ici, dans votre cœur, c'est le plus important. Pour en avoir pour vous et pour vos proches. Je vous aime.